Joseph Bissang pour l'entre-deux entre Alexandre Chassan et Dominique Olinizac. Premier ballon pour le SQBB. Campbell avec Rayman, les deux premiers points très rapidement pour Saint-Quentin. Chassan, ligne de fond pour trouver Nicolas Lang. Nikolic prend sa chance et met dedans. L'adresse tout de suite au rendez-vous. Lang avec Nikolic. Pauvre Chassan à l'intérieur, ressort. Nicolas Lang se décale et Arti à 3 points. 2 sur 2 pour démarrer. Longue distance pour le CSP. Nikolic avec Beaufort. Oh, il est passé en décalant ses appuis, Lucas Beaufort. Qui égalise à 8 partout. Appleby, le bon service pour Alexandre Chassan qui termine tranquille dans la peinture. Avec Johnson, Dosuyovo travaille face à Alexandre Chassan et prend le meilleur au poste bas. Profitant aussi d'un écran. Appleby, ah, il était compliqué cette skip pass pour trouver dans le corner Nikolic. Johnson avec Bouko qui préfère calmer. Ouais, pas la grande confiance en son shoot, Lucas Bouko, on l'a évoqué, c'est un axe de progression, mais les pénétrations elles sont bien là. À 4. On voit Alexandre Chassan, passe un petit peu trop forte pour Lucas Beaufort. Ballon de relance pour Lucas Bouko qui trouve William Pfister qui finit. Nouvel échec en pénétration. Saint-Quentin. Oh, Nenadic, pas de coup de sifflet. Ouais, il semblait y avoir quand même une bonne faute. Et la relance pour William Pfister qui va filer au cercle. Appleby avec McGusty. Trouve Chassan. Ça, c'est bien joué. Une bonne possession pour trouver un tir grand ouvert à Cameron McGusty qui ne met pas dedans, mais rebond offensif. Chassan, le deuxième pour McGusty. C'est la bonne. Campbell. Melvin Agença en première intention. Attention, attention, le SQBB qui est en train un petit peu de s'entêter dans les tirs à 3 points et qui s'expose à des contres. Et avec les qualités de Cameron, on retrouve un petit peu d'allant offensif. Lely Mougeot, le deuxième tir longue distance cet après-midi. Réponse immédiate pour Tiger Campbell qui trouve de l'adresse. Il va jouer. Finalement, chercher Melvin Agença, ballon intercepté par Tyree Appleby qui met du rythme. Oh, la finition compliquée. Le rebond offensif et les deux points pour Alexandre Chassan. Oh, la passe ligne de fond et les gros dunks pour Mathis Dosuyovo. C'est la spéciale Saint-Quentin. L'écran de Melvin Agença, le... Mise en jeu, Chitou trouvé, solide à l'impact. Simisola Chitou pour le 2 plus 1. Appleby, passé en dessous, oh, c'était un tir compliqué, en plus très très rapide pour Tyree Appleby qui espérait sûrement le 2 plus 1. Nate Johnson, tout aussi rapide mais bien plus efficace. Lucas Golan à 2 secondes, ça tombe dedans! Quasiment sur le buzzer pour Lucas Golan. Avec Rayman. Travail au poste bas face à Nikolic. Le petit tir crochet sur sa main droite qui tombe dedans. Nikolic à l'opposé. Nenadic 1m50 derrière la ligne. Il est court. Tiger Campbell, le toucher de Tiger Campbell pour passer au-dessus de deux défenseurs du CSP. Nicolas Lang qui a un petit peu d'espace pour dégainer la flèche envoyée par Nicolas Lang. Limoges est de retour en tête, plus 1. Allez, ballon qui trouve difficilement Lucas Beaufort, nouvelle passe compliquée, mais Nicolas Lang, il peut prendre le ballon dans toutes les conditions.
il arrivera quand même à mettre dedans. MJ Walker, mi-distance, met dedans. Boukou, qui est passé, qui a transpercé la défense du CSP pour prendre 5 longueurs d'avance. Une équipe ou l'autre. Colalang avec Chassant, mi-distance, qui met dedans. Dernière seconde de ce troisième carton dans les mains du CSP. Chassant le prend à 3, il met dedans après un shoot mi-distance, un tir primé. Appleby avec Hugolin, attaque le cercle, Lucas Hugolin. Ah, demain, l'énorme dunk pour la jeune pépite du CSP, on va revoir ça tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors faire attention aux fautes s'ils ne veulent pas se retrouver rapidement dans la pénalité. Le alley-oop, c'est showtime ce début de quatrième quart-temps. Mathis Dosuyovo au alley-oop. Lucas Boukou, il l'avait déjà frôlé face à l'Asvel. Le 2 plus 1 accordé à Alexandre Chassant. Ils répondent du tac au tac. Les joueurs de Limoges. Chassant. Walker, le spin move. Oh, quel move délicieux signé MJ Walker. Sortie et attaque qui va être mise en place par Lucas Boukou. La faute et le panier en prime sur Will Rayman qui peut flexer parce que celui-là il était compliqué à mettre. Les deux équipes dans la pénalité. Menadic qui a fait son retour en jeu. Appleby à 3 points, on l'a pas trop vu. Le shoot de Tyree Appleby. Une action à 3 points pour remettre les équipes à égalité. Tyree Appleby tout seul, qui met dedans. On se tire de Tyree Appleby. Et celle-ci, déjà avec Tyree Appleby. Il est passé Tyree Appleby, le service et l'énorme dunk de Danilo Nikolic. Appleby. Attaque le cercle, il est passé et il met dedans. Il prend le CSP sur ses épaules, Tyree Appleby. Pour les emmener droit à la victoire. Faire couler le chrono autant que possible. Appleby qui va encore prendre ses responsabilités à 3 points. Oh, c'est pas possible. Il est incroyable, Tyree Appleby. Chassant qui trouve l'angle pour le tir du chaos. C'est le chaos. Le dagger, le coup de poignard. Dernier ballon, est-ce qu'ils vont le jouer, les Limougeaux? Non. Ils vont le garder sous le coude. Et Tyree Appleby va laisser filer le chrono. Le héros de ce match, cet après-midi, si vous cherchez clutch dans le dictionnaire, vous aurez une petite photo de Tyree Appleby à côté. Gros succès du CSP.